Donc le projet de bureau d'information touristique flottant est né il y a déjà un an et demi, hein, avec le comité de direction de l'office de tourisme, la municipalité de Villeneuve. L'idée c'était de dire on a un site merveilleux, le canal du Midi, première fréquentation touristique de notre destination, et on n'a pas un lieu digne de ce nom pour accueillir les touristes. Donc on s'est dit, ben, pourquoi pas tenter le pari un peu fou, quoi, d'ouvrir un office de tourisme sur une péniche ou sur un bateau. Alors ça a été assez compliqué au début, hein, trouver une péniche en termes d'accessibilité, etc. Et puis on a eu la chance de faire une rencontre avec la compagnie des bateaux du Midi, qui nous a proposé de nous céder une vieille gabarre, donc ce vieux bateau de bois qui servait donc au transport de passagers sur le canal du Midi. Et en plus, historiquement, les gabarres, ça servait pour transporter le vin sur le canal. Donc on s'est dit, banco, c'est le projet idéal pour nous. Donc à la suite de ça, ben, on a cherché une personne susceptible de transformer cette gabarre en bureau d'information touristique flottant. Et là aussi, ben, grand coup de chance, on rencontre Monsieur Rosé des chantiers navals Marine et Compagnie, passionné de bois, de vieux bateaux, qui répare des barques catalanes, qui est lui-même qui fait des décors de théâtre, etc. Donc la gabarre vient de partir donc sur Agde, ça y est, ouf, un grand ouf de soulagement, donc elle est prête à être rénovée, donc on vous donne rendez-vous dans quelques mois, prochainement, pour l'inauguration de ce bureau d'information touristique flottant sur le canal du Midi. Ce sera un grand moment, je crois.